Bonjour, bonsoir, chers abonnés. Moi, je réponds au nom de Victor. Aujourd'hui, je viens pour vous montrer, haute actrice, comment je fais pour décorer les maillots. Ici, j'ai 15 maillots comme ça. Je dois écrire sur là-dessus. Mais cette fois-ci, je ne vais pas écrire ça avec la peinture. Ça, je vais faire ça avec vinyle. Regardez ce corps que vous voyez avec moi. C'est ce qu'on appelle vinyle. Elle vient sous forme de rouleau par mètre. Ça, on les vend par métrage. Et vinyle que vous voyez comme ça, elle contient deux faces. Une face, elle est transparente et l'autre face là, elle est avec la colle en couleur. Maintenant, ici là, c'est dans boutique où on vend les vinyles. Vous voyez les vinyles? C'est sur papier que je suis en train d'écrire comme ça le numéro. Mais je renverse. Je mets sur la version miroir. Je suis en train d'écrire le numéro 3 comme ça. Après avoir écrit ici, je vais prendre le numéro là, je colle sur vinyle, je coupe. Ici, peut-être ce qui pourrait vous fatiguer, c'est quand vous ne savez pas comment former les chiffres là, les numéros. C'est pourquoi souvent j'ai fait beaucoup de vidéos ici sur ma chaîne en montrant comment former les lettres. Je ne suis pas rapide pour écrire comme ça les numéros. Je travaille lentement, mais seulement c'est la vitesse de la vidéo que j'ai augmentée. Maintenant, regardez vinyle. Voilà vinyle là. Je vais coller le numéro là sur là-dessus et découper. Ouais, je suis en train de diminuer les contours. Maintenant, je prends papier colle. Je colle très bien. Et je découpe maintenant. Et regardez, voilà les lames. Ici, je peux utiliser le petit couteau là ou bien la lame de taille crayon. Mais ici, je préfère la lame de taille crayon. J'ai préféré la lame de taille crayon parce qu'il y avait le petit dessin là comme ça là-dedans. Dans le numéro avec le logo, si c'est pas avec la lame de taille crayon petit là, pour découper ça, ça serait un peu très difficile. Donc tu vois, ça j'ai déjà fini comme ça le numéro 3. Ici je pourrais pas filmer tout pour comment former les numéros là, sinon la vidéo allait être trop longue, raison pour laquelle j'ai filmé seulement le numéro 3. Tout le reste des numéros, j'avais fait écrire. Et voilà, je suis en train de les enlever comme ça. Ça, c'était fini. J'avais déjà fini de découper. Maintenant, je soulève. Au moins, j'ai 15 maillots comme ça à faire. Et n'oubliez pas quelque chose. Vinyle, elle a deux faces. C'est la partie de la colle là, blanc là, que vous devez se coller l'écriture et découper. La face transparente là, c'est pas sur la face transparente. Donc, vous voyez, raison pour laquelle il faut renverser le numéro. Donc tu vois, et vinyle que vous voyez comme ça, elle se colle sur les habits sous l'effet de la chaleur. C'est pourquoi vous pouvez vous en servir de fer à repasser ou bien de la machine presse pour coller les écritures là sur un maillot ou bien sur votre t-shirt en coton, ainsi de suite. Ça peut se coller sur un habit sous l'effet de la chaleur quand même. Et mettez-vous bien en tête, je n'ai pas filmé tout. La manière dont j'ai écrit le numéro 3, c'est comme ça que j'ai fait pour tout le reste des numéros là. Maintenant, je suis en train de d'enlever les parties inutiles comme ça. Vinyle que vous avez vu avec moi, c'est vinyle là que j'ai utilisé pour les 15 maillots là. J'avais payé comme ça environ 3 mètres. Et les 3 mètres là, il y aura même le reste qui va rester avec moi. Et au niveau des noms aussi, j'ai pas pu filmer comment j'ai écrit. Mais quand même, j'ai des vidéos ici sur ma chaîne où je vous montre comment écrire ou comment former les lettres là. Donc vous voyez, ici seulement le problème c'est quoi? Faut renverser l'écriture. Bon, maintenant, vous voyez, quand je prends l'écriture, je renverse, mais quand je renverse, maintenant l'écriture, la lecture devient maintenant facile. Mais en écrivant sur papier, on renverse, on colle, voilà. Vous voyez, c'est renversé, non? Maintenant, je mets maintenant sur l'inverse. Vous voyez, c'est coq. Ici, il suffit juste de prêter attention pour ne pas que ça soit tordu. Donc, raison pour laquelle il faut bien prendre ton temps et mesurer, regarder si c'est pas tordu. Donc, je place bien à sa place. Et c'est avec fer à repasser là que je vais transférer la
colle vinyle là sur le maillot direct. Comme ça, ça c'est un peu plus facile, plus simple que pour la peinture. En tout cas, je connais tous ces deux astuces là, comment faire avec la peinture et comment faire avec vinyle. Et moi, je vais être clair avec vous, j'ai pas dit c'est quelque chose qui est banal, très simple comme ça, non. Pas de, seulement pour comment former les lettres là. C'est là-bas, il y a le problème quand même, vous pouvez avoir des difficultés. Mais si vous exercez comment former les lettres, ça, rien n'est compliqué ici quand même. Ah. Et en tout cas, je ne pourrais pas dire que c'est banal, mais ce n'est pas encore assez complexe comme ça, jusqu'à un certain niveau. Donc, vous voyez, il suffit juste de connaître comment former les lettres et, si vous, et connaître aussi et s'habituer aussi comment découper les lettres. Parce que si vous êtes nouveau, vous allez voir votre main, ça tremble, il y a tout ceci là, donc vous voyez. Donc, en tout cas, vous devez vous exercer quand même. En fait. Maintenant, vous voyez la différence, j'augmente sur la vitesse de la vidéo, tu vois. C'est pas comme ça, je travaille avec la rapidité, je travaille lentement, non. Maintenant, j'ai augmenté la vitesse de la vidéo comme ça. Vous voyez la différence? Sinon, je travaille lentement. Mais ça, c'est pour ne pas perdre le temps. Comme ça, ainsi de suite. Vous voyez, ça j'appuie avec la force. C'est pour faciliter aussi la compréhension, quoi. Raison pour laquelle j'augmente la vitesse, pour que ça soit